Alors, petite capsule pour une mise en pratique des soins énergétiques. Là, je suis parti en randonnée, ça s'appelle au-dessus de Chamonix, vers le glacier des Bossons. Et à la descente, je me suis fait une grosse entorse à la cheville droite. Voilà. Dans un endroit où il n'y avait pas de raison de se faire une entorse, mais c'est comme d'habitude. C'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Donc qu'est-ce que je fais? Je me fais un soin énergétique. Alors ça consiste en quoi? C'est simple. J'ai une technique qui s'appelle de l'ostéodouce, c'est-à-dire qu'entre mes mains, je ressens l'énergie qui circule au niveau des articulations et des os. Et puis après une entorse, je peux vous dire que l'énergie, on sent bien qu'elle est. C'est vrillé. La sensation, c'est comme si c'était vrillé au niveau de l'articulation de la cheville. Et puis après l'entorse, là, je sentais bien que ça tirait au niveau des ligaments malléoles externes et puis malléoles internes et au niveau du talon aussi. Donc je me fais de l'ostéodouce et puis je fais aussi une autre technique qui est peut-être un peu plus connue, c'est ce qu'on appelle une constellation familiale et systémique, mais du coup je l'ai faite sur mon organe, je l'ai faite sur ma cheville. Et là comme vous pouvez le voir, je continue de descendre parce que j'ai pas mal. Et juste 50 mètres après, en fait, on croise un couple où une dame, là, marche et boite avec son bâton et elle s'est aussi fait une entorse, même cheville que moi. Alors, je leur ai proposé de faire un soin, enfin, elle, parce qu'elle avait son mari avec. Et donc, c'est OK. Donc, quand je lui faisais de l'ostéodouce, elle a dit, c'est bizarre, c'est de l'ostéodouce, je ressens juste là, dans mes mains, l'énergie qui circule ou pas. Donc, sans la toucher, sans contact. Ben en fait, je ressens son énergie qui est une distorsion dans sa cheville. Et elle me dit, c'est bizarre, c'est comme si ça bougeait dans ma cheville. J'ai dit oui. On est en train de rééquilibrer, recalibrer. Voilà. Voilà à quoi servent les soins énergétiques quand on est en rando. C'est très performant. Ça fera pas tout, évidemment. Enfin, c'est une cassure. On va pas refixer l'os, mais les entorses, les foulures. C'est super efficace. Alors évidemment, c'est encore plus efficace quand on le fait tout de suite. Si on attend 3 jours, c'est un peu plus compliqué. L'œdème a le temps de se bien se faire. Après, il faut une phase d'inflammation pour refaire les tissus, ça c'est évident. Mais en tout cas, l'ostéodouce et puis les soins énergétiques, ça permet d'une, très souvent, d'enlever la douleur ou de la diminuer. Et ensuite, éventuellement, si la personne peut repartir, elle repart. Mais en tout cas, ça va faciliter le rétablissement de l'organe, c'est-à-dire que en fonction de la gravité d'une entorse, des fois il faut 3 semaines pour s'en remettre avec une attelle. Je pense que j'en étais pas rendu là, je me suis rien déchiré, mais même s'il fallait peut-être une semaine pour retrouver une cheville normale, et bien là ce qui va se passer, c'est que demain je pense que je vais être tranquille, je vais me masser la cheville, peut-être mettre un peu de crème, refaire un petit peu d'ostéodouce. Je vais remonter aussi au niveau du genou, du bassin, voilà, là où l'énergie peut avoir compensé sur d'autres articulations. Et puis c'est remis. Voilà, j'espère que je vous aurai partagé mon expérience.